Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo fake. J'avais fait une boîte à questions côté Instagram et côté Facebook pour que vous puissiez me poser toutes vos questions et les regrouper sur une vidéo. Mais j'ai eu beaucoup de questions. Et si tu as une question, n'hésite pas à la mettre sous la vidéo. Je pense qu'il y aura une deuxième fake d'ici un petit moment. Donc ça me servira pour la deuxième fake. Donc je t'avais dit que je prendrais 10 questions au hasard sur tout ce qui est perte de poids, bien-être. Tu me suis pour ça? Enfin bref, toutes les questions qui te venaient par la tête et que je répondais volontiers. Allons-y pour la première question. As-tu mis la balance de côté pour être zen pendant ton rééquilibrage alimentaire? Alors c'est vrai qu'au début, je me suis lancée, pour ceux qui me découvrent, en juin 2023 et j'ai acheté une balance connectée pour me peser. J'avais une très vieille balance. En fait, ça n'a jamais été mon ami la balance. Voilà. C'est pas le truc, toute ma vie, je me suis jamais pesée ou je me pesais une fois par an, deux fois par an pour dire comme, voilà, comme tout le monde, comme monsieur tout le monde ou chez le médecin. Et quand je voyais que je prenais du poids, voilà, on le voit dans nos vêtements, on se sent plus serré, il y a des vêtements qui ne vont plus. Donc en juin, quand je me suis lancée à perdre du poids parce qu'il fallait vraiment pas... C'était pas pour l'esthétique ma perte de poids, c'était vraiment pour ma santé parce que j'étais essoufflée. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'en montant mes escaliers, j'étais essoufflée. Dès que je faisais 2 mètres, j'étais essoufflée. J'avais fait une très grosse prise de poids. Il fallait changer tout ça. Donc au début, je me pesais beaucoup. Je vous faisais les bilans une fois par semaine, puis après, je les ai espacés à une fois par mois. Mais pour moi, ça devenait anxiogène, la balance. Voilà. Ça, c'est vraiment, ça me stressait. Et oui, donc oui, je pourrais répondre oui pour être plus zen. Et depuis que j'ai arrêté de me peser, eh bien, je vis ma perte de poids, mais vraiment zen attitude. Et je vois, alors comment on peut, sans se peser, comment on peut faire? Eh bien, soit dans tes vêtements, ton regard à travers le miroir, et puis les mensurations. Tu le vois de toute façon que ton corps change. Voilà, il n'y a pas besoin de balance. Vraiment, ça peut frustrer la balance. Vraiment, j'étais rentrée. En fait, je n'avais pas trop de troubles alimentaires quand j'ai commencé ma perte de poids, à part que j'étais une grande gourmande et j'avais tendance à me jeter sur la nourriture quand j'étais source de beaucoup d'émotions. Voilà, quand j'étais en stress, en colère ou même joyeuse, je pouvais trop manger. Voilà, je n'arrivais plus à gérer mes émotions. Le fait de la balance, ça m'a développé d'autres troubles alimentaires. C'était même dangereux parce qu'à un moment j'avais perdu ça allait vite au début ma perte de poids parce que malgré que tous les bons conseils que je vous donnais de surtout ne pas vous priver je me suis aperçue que j'avais retiré beaucoup de choses dans mon alimentation et mes assiettes quand je les regarde avec le recul elles sont pas énormes c'était vraiment voilà et je rentrais dans le système de ne plus oser manger de ne plus et ça je voulais pas voilà. Donc ouais, il a fallu que je stoppe cette balance. Deuxième question, coucou, qu'as-tu utilisé pour retrouver ta masse capillaire, s'il te plaît, merci. Alors ça, j'avais perdu beaucoup de mes cheveux. Alors je l'ai caché, je cachais un peu, j'avais perdu beaucoup devant. Et j'avais un gros trou ici qui s'est bien rebouché, je suis assez contente. Et évidemment, j'avais des queues de rat, j'avais pas autant de masse. Hein. Voilà, j'avais vraiment des queues de rat. Pour dire que j'avais acheté des faux cheveux pour faire mes coutures. Pardon. Je répète, je disais j'avais même acheté des faux cheveux pour faire mes coutures. Si tu veux, dans la prochaine vidéo de fac, je te montrerai mes faux cheveux. Ouf. Et donc, déjà l'alimentation, il faut me dire aussi que quand j'ai fait ma prise de poids, quand je regarde mon retour de course, c'était l'anarchie, l'alimentation. Mais j'en avais pas conscience. J'en ai pas conscience. Pourquoi? Parce que je suis sédentaire parce que je travaille de la maison. Et avant, je n'étais pas sédentaire parce que je travaillais en extérieur, donc je bougeais beaucoup. Donc l'alimentation, ça n'a jamais été un sujet sur la table puisque quand tu bouges, eh ben tu brûles des calories et voilà, tu ne grossis pas quoi. Mais quand je regarde mes retours de course avant mon rééquilibrage alimentaire, ouais, voilà. En plus, j'étais sédentaire, donc le combo, pas très bon. Et en plus, j'ai arrêté de fumer. Donc là, ça a été... hein? La balance, elle a fait fou.
Voilà. Donc comment et du coup là je viens de perdre le fil. Donc comment j'ai fait? Donc l'alimentation, le stress, j'étais énormément stressée, mais beaucoup stressée. Et ça, je pense en moi. Je suis encore un peu stressée, mais j'ai beaucoup diminué mon stress, mes émotions, tu vois. J'arrive à les un peu à les canaliser. Il y a des jours où j'y arrive pas. J'ai vraiment du mal à gérer mes émotions. La gestion des émotions est très compliquée pour moi. Mais voilà. Alimentation, stress, et j'ai utilisé la marque Luxéol. Ça, j'en parle souvent sur mes réseaux. Je suis pas en partenariat avec eux, hein, je tiens à vous le dire. Mais ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé par la pousse, après le shampoing pousse, shampoing réparateur, et là, je suis au shampoing fortifiant. Voilà, tout simplement pour mes cheveux. Mais c'est beaucoup, voilà. Troisième question, comment fais-tu pour allier travail, marche et être créative dans tes repas? Tu es génial. Déjà, je te remercie. Alors, travail, eh bien, je travaille de chez moi, je suis à mon compte. En 2018, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour m'occuper de Mathéo. Voilà. Mais ça, je ne vais pas l'exposer sur les réseaux, mais il fallait que j'arrête de travailler. Et donc, je suis à mon compte, en fait. Je travaille de chez moi, donc je gère moi-même mon temps de travail. L'avantage. C'est pas une chance, c'est un avantage. C'est par exemple, je peux travailler à 5 h du matin, 4 h du matin, tranquille. Toi, je suis une lève-tôt. Donc, je peux faire des heures de travail tôt, puis après, aller prendre 2 heures dans la journée pour aller faire ma marche, rentrer, vous partager du contenu et continuer à travailler. Donc, voilà, j'ai cet avantage-là. Mais c'est pas tout repos d'être à son compte, parce que bon, c'est. Mais on pourra en reparler, si vous voulez, dans une deuxième fake, d'être à son compte, quels sont les avantages et les inconvénients. Mais j'espère un jour repartir travailler en extérieur. Voilà, j'ai toujours travaillé en extérieur, mais bon, il a fallu que je fasse un choix et je le regrette pas du tout. Je l'avais déjà expliqué sur les réseaux. Et être créative dans tes repas. Oh, non, 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 je ne suis pas du tout créative. Hein. Je n'aurais pas cette prétention-là. Alors c'est beaucoup des recettes que je faisais avant, mais ou que je modifie. En fait, c'est les mêmes recettes, c'est toujours la même base avant mon rééquilibrage où j'ai enlevé le beurre parce qu'avant je cuisinais au beurre, à l'huile et tout ça, j'ai modifié. Mais par exemple, quand je te propose une salade, bah, c'est des salades que j'ai toujours faites. Que j'ai toujours faites. C'est des salades, voilà, une salade. Je sais pas, de pâtes, ça reste une salade de pâtes. Après, on est tous influencés, que ce soit par les réseaux, par la télévision, par les livres de cuisine. Donc, voilà, on est tous influencés quelque part pour faire des recettes. Voilà, j'ai pas cette prétention-là. Je trouve ma cuisine, on va dire, maman. Je suis une maman de 3 enfants, donc je vois plus ma cuisine comme une cuisine familiale. Voilà, mais j'ai pas cette prétention d'être créatif. Voilà, non, voilà, je me permettrai pas d'avoir cette prétention-là. Donc, on était à la troisième question. Quatrième question. Bonjour, combien mangez-vous de calories par repas ou journée? Alors, au début, je le disais, mon nombre de calories qui m'est propre, et j'ai arrêté de le dire parce que certaines personnes mangeaient exactement le même nombre que moi. Alors que c'est pas bon, c'est mon quota à moi. Chaque personne a son quota. Parce qu'on ne mesure pas tous pareil, on pèse pas tous pareil, nous n'avons pas tous le même mode de vie, nous ne sommes pas tous actifs pareil, nous n'avons pas tous le même âge. Et ça, j'ai dû le garder pour moi. Donc c'est pour ça que je ne te donnerai pas le chiffre, mais je connais mes besoins journaliers. Voilà, ça c'est important de les connaître pour avoir un repère en fait. Hein. C'est très important d'avoir un repère dans un rééquilibrage alimentaire. Cinquième question, bonjour. Que faites-vous quand il y a un craquage ou moins de motivation? Alors, quand il y a un craquage, ben, je craque. Voilà, je me mets pas de trop de pression là-dessus. Et c'est peut-être pour ça que je vis bien mon rééquilibrage alimentaire. Ça peut arriver, le craquage, et t'as le droit. Et t'es humain, t'es humaine. Ça, il faut bien vous le dire. Ne vous punissez pas. Moi, j'appelle pas ça des craquages. Par exemple, la Pâques, c'est un craquage. Ouais, on peut dire un craquage à Pâques. Moi, j'adore le chocolat, tu le sais. Et j'ai mangé des. Tu sais pourquoi je me rappelle? Parce que j'ai eu hyper mal au ventre et j'ai plus fait cette bêtise. En fait, je pense qu'il faut le faire. Faut faire un craquage, avoir mal au ventre et ça te permet de plus le refaire. J'ai mangé trop de chocolat de Pâques. Et je l'avais dit en story. J'ai dit, je suis désolée. À Pâques, je mangerai pas de chocolat parce que j'avais mangé 2, 3 jours avant mon Pâques des chocolats de Pâques. Je me suis pris un mal d'estomac, mais du monumental. Là-haut. J'étais pliée en deux et j'ai dit plus jamais je fais ce genre de craquage. Plus jamais. Donc, d'un sens, c'est bien de faire des craquages, d'avoir mal au ventre. De...
Au moins, on ne le refait plus. Donc, je laisse passer. Et c'est normal. Tu es humaine. Dis-toi bien que tu es humaine, que tu as des émotions. Donc, ça, il ne faut pas combattre tout ça, en fait. Moins de motivation. Non. Moi, je suis toujours motivée. Voilà. Je suis quelqu'un qui est toujours motivé. Quand je ne suis pas motivée, ben, je me motive. Et quand je ne suis vraiment pas motivée, c'est vraiment parce que j'ai des douleurs. Dans ce cas-là, bah, je me pose, je me repose, je me dis, bah, c'est une journée de repos. Mais si tu le prends bien, ton rééquilibrage, si tu ne te frustres pas, si tu ne te punis pas, si tu prends du bon côté, tu seras toujours motivé. Moi, je le vois comme ça. Sixième question. Alors, c'est une question délicate. C'est très gentil de dire, c'est délicat. Tu pesais combien avant? Ben écoute, c'est pas, je ne l'ai pas caché puisque tu peux retrouver des vidéos sur mes réseaux où je le dis ouvertement, hein, je pesais 98,800 grammes. j'ai décidé de perdre du poids avant d'atteindre les 100 kilos. J'ai pris peur. C'était la première fois de ma vie que je montais aussi haut. C'est dur. C'est dur à encaisser. C'est dur parce que tu te dis, est-ce que tu vas arriver à perdre du poids? Est-ce que, parce que voilà, j'ai eu toutes ces questions, tous ces moments de doute, tu vois. Donc, je faisais 98,8 kg pour 1m58. Septième question. Bonjour, on a commencé le parcours de perte de poids en même temps, mais j'ai repris 6 kg, quoi faire? Déjà, tu te déculpabilises, tu arrêtes de stresser, ça arrive. Hein. C'est comme ça les pertes de poids. Faut pas croire tout ce que tu vois sur les réseaux. Hein. Faut vraiment. Les gens te vont te partager que le bon côté. Les personnes qui disent ah j'ai perdu 30 kilos, elles vont pas te dire qu'elles ont repris 10 kilos. Tu vois le truc? Donc déjà, tu arrêtes de te culpabiliser. Là, il faut que tu repartes d'un bon pied, te dire peut-être. Alors je te connais pas, je ne connais pas tes habitudes, mais peut-être tu as été trop dur avec toi, tu t'es trop privé. Donc à un moment, tu t'es lâché un peu. Et tu as eu cette reprise. Et c'est pas grave, c'est ton corps qui se régule. Peut-être que tu as un souci médical, peut-être que tu as un problème hormonal. Je ne te connais pas trop, mais on va rester que sur l'alimentation. Il faut le voir comme pas comme un échec, mais de se dire, j'ai trop privé mon corps et c'est pas tenable. Peut-être, voilà. Mais surtout, enlève cette culpabilité, ce n'est pas grave du tout. Septième question, peux-tu faire une vidéo où tu regroupes les changements qui t'ont permis de perdre du poids? Ah oui, eh bien écoute, ce sera peut-être une future vidéo. Je ne sais pas comment je la tournerai, mais ouais, pourquoi pas, de te montrer au niveau alimentation, tout ça, sport, moi qui étais sédentaire. Yes, on fera ça. Bonjour, alors c'est la huitième question. Bonjour, en hiver, quand il fait noir, tu vas marcher à la même heure qu'en été? Alors, l'hiver, ici, il fait très froid, je me gèle, je vous le dis. C'est mon tapis de marche, j'ai un tapis de marche à la maison. L'hiver, généralement, je fais ma marche en intérieur. Je n'aime pas ça du tout, voilà, je vous le dis. Hein. Moi, je préfère être en extérieur, au milieu de la nature, mais l'hiver, c'est très compliqué ici. Ça peut m'arriver de temps en temps d'aller en extérieur. Mais généralement, il pleut et tout, il fait vraiment pas beau. Donc, le sport se fait à la maison et j'en guide printemps-été pour aller marcher en extérieur, justement. Voilà, il y a quelques mois où tu verras où je marche en intérieur. Et des fois, je peux aller me balader l'hiver, mais il faut vraiment qu'il y ait le petit rayon de soleil, tu sais, d'hiver agréable pour que je puisse aller faire ma marche. Neuvième. Bonjour, vous comptez les calories que vous mangez, sinon comment savoir qu'on perd? Alors, bon. Oui et non. Oui, quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, je comptais mes calories. Alors, de tête, hein, j'avais pas d'application. C'est bien le truc que je n'aime pas, c'est tout marqué sur une application. J'ai testé hein, deux applications, ça m'a vite saoulé au bout de 24 heures. Je fais tout de tête. J'ai appris les valeurs caloriques des produits. Donc, je sais dans ma journée ce qui me convient, ce qu'il faut. Voilà, pour moi, le plus important, c'était de connaître les valeurs caloriques des produits que je consommais. Au début, je comptais pour avoir un repère. J'avais besoin d'un repère quand je cuisinais. Parce que vraiment, moi, le monde des calories, c'était à des années-lumière. C'est un truc que je regardais jamais. Je regardais jamais les valeurs caloriques des produits derrière les paquets. C'est vraiment le truc que je faisais jamais. Donc, j'avais eu besoin des repères. Les premiers mois, oui. D'ailleurs, tu peux voir des vidéos sur mes réseaux où je te dis combien je mangeais tout. Et après, j'ai lâché du lest. Parce qu'une fois que tu as ta routine, tu sais que tu peux manger du riz, tu peux manger des pâtes, tu peux associer ça, tu peux associer ça, tu peux associer ça. Eh bien, c'est nickel, tu connais un peu. Après,
Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, mais il n'y a pas que ça. Parce que tu peux être en déficit calorique et ne pas perdre. Il faut vraiment, comment te dire, déjà faire un bilan santé. Ça, c'est très important. Être suivi quand même par ton médecin. Voilà. Voilà. Je veux pas m'étendre sur le médical parce qu'il faut mieux voir des professionnels de santé, mais on va dire, ouais, il faut être en déficit calorique. Alors moi, pour ma part, je dirais, il faut rééquilibrer son alimentation. Manger à sa faim, surtout ne pas s'affamer. Vraiment, il faut pas que tu aies le creux et tout, parce que le lendemain, tu vas te jeter sur la nourriture. Donc, tu manges à ta faim, hein, et bouge un peu plus. Voilà, changer un peu ses habitudes, en fait. Et 10e question, bonjour, où peut-on trouver toutes tes recettes? Eh bien, sur mes réseaux, tout simplement, sur Instagram, TikTok, Facebook, et un peu sur YouTube. Je commence à mettre des shorts. Donc voilà, sur tous mes réseaux, tu as toutes les vidéos. Il n'y a pas que les stories sur les réseaux. Il faut vraiment aller sur le compte. Et vous avez, en plus, moi, je mets des titres sur mes vidéos. Donc, vous avez ça, cet avantage-là, c'est que je mets des titres. Donc, c'est facile à retrouver les recettes sucrées, salées, etc. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des 10 questions. Et je voulais remercier par contre tous les messages que j'ai reçus. Vous adoriez ma positivité, que tout simplement vous adoriez me suivre sur les réseaux. Et je tenais à vous remercier en vidéo pour tous ces messages de gentillesse. Et ben si vous voulez, on refera une vidéo question-réponse comme là. Moi j'aime bien ce genre de vidéo, peut-être une fois par mois. Ça vous permet aussi de savoir comment je fonctionne et voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve bientôt pour une future vidéo.